Nous sommes à l'aube de l'année 2022. Je souhaite la bonne et heureuse année à toute la Côte d'Ivoire d'abord, et aux femmes du PDCI, au président du PDCI et à tous les militants du PDCI RDA. Je souhaite que l'année 2022 soit une année de paix, de bonheur, de santé. Sans la santé, nous ne pouvons rien faire. Et je suis sûre que si nous avons la santé, l'horizon sera bon pour nous. Donc je souhaite l'année la plus heureuse, l'année 2022. Nous avons eu des années assez difficiles, mais je pense que c'est la fin du tunnel. Il faudrait que toutes les femmes du PDCI RDA se mettent ensemble et tous les militants du PDCI RDA soient solidaires pour qu'ensemble nous puissions, je dirais, reconquérir le pouvoir. Sans la paix, sans l'entente, nous ne pouvons rien faire. Je souhaite une année, une très bonne année, heureuse, à Madame la Présidente Henriette Kounambédié. Une année de paix, une année de santé à toute la Côte d'Ivoire. Et surtout, la paix, la paix, la paix. Je souhaite d'abord la santé et la cohésion entre filles et fils du PDCI d'abord. Une année vraiment, je dirais une année de raison. Il faudrait que tout le monde se remette en cause d'abord et qu'on se dise que nous voulons se mettre ensemble pour gagner la bataille. Et sans l'entente, nous ne pouvons rien faire. Donc il faut que ça soit une année de cohésion, une année de pardon surtout. Parce que les uns et les autres sachent que nous sommes une famille, d'une famille politique, et à partir de là, qu'on sache se pardonner et qu'on ne se regarde pas en ennemi, qu'on essaie toujours de se pardonner, de chercher à se comprendre d'abord. Parce que nous parlons des autres, mais il faut parler de nous-mêmes d'abord. Donc je souhaite une très bonne et heureuse année et la cohésion entre filles et fils du PDCI RDA. Mon souhait d'abord c'est ça, c'est l'entente et la cohésion, le pardon entre nous d'abord. Je souhaite une très bonne et heureuse année à mes parents de la région du Morono d'abord et à ma famille politique. Et que Dieu nous accorde une longue vie et surtout l'entente et la paix entre fils et filles du Morono. Je les embrasse tous. Merci.